dilen gërëm di content sen mobilisation bi am ni mobilisation bi nak liggéey la bo xamné monsieur le ministre liggéey bu yagg la pendant des mois ay jeune ñaar quartier trois quartiers Castor Kenya Nema 2 nek dugg ci quartier di mobiliser di waxtan ak parents yi ba aujourd'hui ñu am li ñu am ni tay donc ñu leen di gërëm di leen remercier bu baaxa baaxa baax remercier comité électoral bi ay nit la ñoo xamné c'est les gens intègres ñoo xamné franchement ils n'ont ménagé aucun effort pour vraiment meeting bi nak taxaw donc ñu leen di remercier di leen gërëm di gërëm tamit les jeunes filles venu aujourd'hui pour mettre les choses au clair. En effet, si nous reconnaissons que l'État est le palladium de l'harmonie au sein de la société, il est comme un pouvoir politique institué pour organiser la vie d'une société sur un territoire donné. Cependant, il faudra faire la distinction entre l'État, la nation et la partie. Si l'État signifie le pouvoir institutionnalisé au service de tous, soumise à une législation, la nation désigne la conscience collective qui ne se fonde ni sur la race, ni sur la culture, ni sur la religion. On peut devenir l'objet d'attachement de la part des individus, ce nouvel aspect qui symbolise la partie. Mais comment en est-on arrivé à gagner l'état actuel? Ainsi, depuis le début du combat avec l'ancien régime, les jeunes des quartiers Kenya, Kassor et Nemada se sont mobilisés et ont bâti campagne pour qu'il y ait de changements. Pendant les élections présidentielles, au niveau de notre quartier, nous en étions les premières, aussi bien que les législatives au niveau de notre centre. Ce combat qui a été mené et gagné mérite des remerciements, des récompenses, car c'est vous qui détenez le pouvoir politique actuel. C'est-à-dire, c'est vous qui gérez la cité et c'est vous que le bon Dieu a choisi aujourd'hui pour gérer et diriger les affaires de la cité. Monsieur Benoît Sambou, que je veux nommer, la quasi-totalité des jeunes du quartier Kenya, Kassor et Nemada ne font rien, car c'est le chômage chronique qui les gangrène. C'est le chômage chronique qui les gangrène. Ils n'ont personne pour les soutenir. Leurs activités génératrices de revenus, pourtant les initiatives ne manquent pas. Les initiatives ne manquent pas. Aussi, par exemple, on a là un hôpital psychiatrique de Kenya qui englobe toutes. Nous avons dit que 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 Masyaallah ñun dañoo sonu dañoo jang ba at bané ar amuñu dara kon nak buñu jappalé Benoît Sambou ñu yokal amna lu dass ci Kenya lu bëré ak Kassor fi ak Nema dé bëgg nañu dal suñu défaral ñu défaral lu ñu xamné dinañu jëriñ ëlëk ñëriñ suñu doom yi parce que bo gisé ñi ñafé tay taxawé té lepp luñ mëna am xalé yi ñoo ñu ko mëna may da xalé gis na né engagé wu nañu taxaw nañ ci gannaaw ministre Benoît Sambou Benoît sa xalé yaangi ni nous ne pouvons l'avoir que lorsqu'il y a l'unité de tous les militants et militantes de cette commune. Je pense qu'aujourd'hui vous avez amorcé justement un pas important vers cela.